Merci. Frédéric Massat. Merci, Président. Donc, moi, 4 points en une minute. Le premier concernera le déploiement des bornes de recharge électrique que vous évoquez dans votre texte. Effectivement, un objectif ambitieux à 7 millions. Aujourd'hui, nous en sommes à 10 000. Donc, le combler en 15 ans, il va falloir effectivement mettre les bouchées doubles. Une question juste entre l'articulation, les collectivités territoriales, l'opérateur national qui est maintenant créé et le maillage du territoire qui est nécessaire car il y a beaucoup de déséquilibres aujourd'hui. La montagne qui est un gisement au niveau des énergies renouvelables. On a parlé des concessions hydrauliques. Mais moi, je souhaiterais parler également de la petite hydraulique parce qu'aujourd'hui, il y a des capacités, il y a toujours des capacités et également des projets du solaire, des méthanisations. Les réseaux, je crois que les réseaux aussi, les réseaux de distribution notamment, constituent un enjeu majeur pour une transition énergétique réussie. On parle des réseaux intelligents, mais aujourd'hui également, au-delà des réseaux intelligents, il faut se préoccuper du bon état des réseaux de distribution qui, dans notre pays, parfois soient un peu déficients. Et la péréquation tarifaire, dernier point très important, c'est un objectif auquel nous tenons et qu'il faut absolument préserver. Merci.